Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo pour compléter la méthodologie du commentaire composé que vous trouverez dans une autre vidéo que j'ai postée sur la chaîne. La méthodologie du commentaire composé, donc, c'est pour comprendre un petit peu l'esprit du commentaire composé, ce qu'on attend de vous, qu'est-ce qu'il faut que l'on trouve dans un commentaire et comment il faut procéder. Et je vous propose pour compléter cette méthodologie une démarche pas à pas de votre travail, de ce que vous devez faire lorsque vous recevez en fait le texte sous les yeux, les étapes en fait de votre travail proprement dit, avec le déroulé du temps que vous devez passer sur chacune de ces étapes pour pouvoir rentrer dans le cadre des 4 heures d'une épreuve de type bac. Voilà, donc je vous propose cette vidéo complémentaire dans un instant, pour vraiment vous guider pas à pas, hein, comme son nom l'indique, dans la démarche d'écriture, cette fois-ci, de votre commentaire composé, et non plus dans la méthode, dans la compréhension de l'esprit du commentaire que j'ai traité sur cette autre vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Alors, vous disposez de 4 heures lorsque vous devez faire un commentaire, plus si vous êtes à la maison, vous pouvez disposer du temps que vous voulez, mais en tout cas d'une certaine durée de temps et qu'il va falloir employer le mieux possible. Alors, la première de toutes les étapes, eh bien, écoutez, ça peut paraître une évidence, mais il faut quand même que je la signale, il s'agit de lire le texte. Vous êtes dans les conditions de l'examen, en 4 heures, vous voulez passer le bac, soit c'est un bac blanc, soit c'est le vrai bac. En tout état de cause, vous êtes très nerveux et il se peut fort bien que vous lisiez le texte et que devant vos yeux, les lignes du texte s'agitent, que les mots s'alignent et s'additionnent les uns aux autres sans que vous puissiez retirer le moindre sens. À la maison, c'est pareil, on n'est pas motivé, on commence un peu à regarder le texte de façon molle, distraite, et on ne voit pas à quoi le texte fait référence. Donc cette première étape de lecture est très importante et je dirais même qu'elle est fondamentale. Il s'agit de dissoudre un petit peu dans son esprit toutes les occupations parasites, tous les soucis, toutes les pensées parasites, et de se rendre disponible à la lecture du texte lui seul. Il s'agit d'être complètement passif et de recevoir, d'être le plus passif possible, et de recevoir des impressions, hein, du texte, et de ne pas, surtout pas essayer de penser dans un premier temps quelque chose à propos du texte, ne pas se projeter dans les étapes ultérieures du travail, hein, de rédaction, du commentaire, qu'est-ce que je vais dire, mon Dieu, sur ce texte qui pour l'instant ne me dit rien. Et bien justement, il faut d'abord que le texte vous dise quelque chose avant que vous en disiez vous-même une autre chose. Donc, cette étape, hein, première étape de lecture, 10 ou 15 minutes, plus, hein, ça, si vous avez besoin de plus, il faut recevoir du texte tout ce qu'il peut vous donner finalement. Et il faut être attentif à ce que vous ressentez à la lecture du texte. Ne paniquez pas s'il y a des passages obscurs dans le texte, si vous ne comprenez pas certaines choses, certains passages, vous y reviendrez plus tard, vous ferez une autre lecture. Et il peut même être très intéressant de délimiter un petit peu les passages où la compréhension devient un petit peu plus difficile. Si le texte vous propose une difficulté à cet endroit précis, c'est qu'il y a une difficulté dans le texte à cet endroit précis. Et donc en repérant déjà et en étant attentif soi-même à ce qu'on ressent par rapport au texte, eh bien on est déjà dans la préparation du commentaire et dans la préparation d'une saisie un petit peu plus directe ensuite par les mots du commentaire du texte lui-même. Il faut donc répéter, hein, c'est se mettre un petit peu dans un état d'esprit réceptif, passif, hein, où vous allez emmagasiner des choses et où vous allez vous approprier, digérer, un petit peu ingérer, je dirais, le texte, hein, sans pour le moment essayer d'y faire un quelconque travail actif et concentré, de manière concentrée. Voilà, hein, donc ça, cette étape, elle est très importante, bien qu'elle soit assez courte, et bien qu'en fait on prenne connaissance du texte assez rapidement. Mais elle est assez difficile à réaliser parce que il est légitime d'être impatient de commencer à écrire quelque chose quand on est en temps limité. Et même quand on est chez soi, on a la satisfaction d'avoir au moins rempli, noirci un petit peu de papier, commencé à construire
des enchaînements sur quelques idées, mais chaque chose en temps voulu. D'abord, vous laissez le texte venir à vous. Et cette première étape est très importante. Alors, la deuxième étape du travail est complètement différente. C'est le travail du brouillon. Et là, je vous indiquerai une durée peut-être approximative entre 30 et 45 minutes pour ce travail au brouillon. La première étape était toute de passivité, de réceptivité au texte. Là, vous devez changer complètement et renverser toute la vapeur et vous devez être concentré de manière très très active et très précise sur le texte. Il faut, bon, vous avez 4 heures, hein, dans une épreuve de 4 heures, on ne peut pas être concentré à 100% sur 4 heures, c'est impossible, ça dépasse les limites de ce qu'un être humain est possible de produire. Mais s'il y a une phase dans votre travail dans laquelle vous devez être pleinement concentré et vous devez donner 100% de vos capacités intellectuelles, c'est dans cette phase de brouillon, où vous recherchez les idées. Vous avez le texte d'un côté, vous avez le papier de brouillon de l'autre, et vous notez sur le brouillon toutes les idées, je dis bien toutes les idées, qui vous viennent à propos du texte. Vous ne vous jugez pas, vous ne vous censurez pas, vous ne dites pas non, cette idée est idiote ou cette idée n'a rien à voir. Si cette idée vous traverse l'esprit, c'est qu'il y a une bonne raison. Et la bonne raison, eh bien, vous allez peut-être la découvrir par la suite, mais la bonne raison, c'est que c'est le texte qui a produit en vous cette idée. Donc, comme quand on construit une maison, on commence par peut-être amasser des matériaux, des briques, ici, vous devez faire la même chose dans la construction de votre commentaire, c'est-à-dire que vous devez accumuler des remarques, des choses à dire. Dans une phase ultérieure, vous les organiserez, vous les coordonnerez entre elles, ces choses, vous les affinerez, vous en rejetterez certaines, peut-être, mais pas pour l'instant. Pour l'instant, il s'agit de sortir tout, absolument tout, ce que vous pouvez dire sur ce texte. Alors, vous allez faire cette phase et puis il se peut, le cas se rencontre même fort fréquemment, que vous tourniez court à un moment donné, que vous tombiez sec, qu'au bout de, je ne sais pas moi, 10-15 minutes, vous n'ayez plus rien à dire sur le texte. En tout cas, vous avez le sentiment de ne plus rien avoir à dire. Et visiblement, sur le papier, ça ne fait pas beaucoup et ce n'est pas suffisant pour construire un commentaire. Alors, à partir de ce moment-là, à partir de cette phase de blocage qui est normale, hein, qui arrive très très souvent et de manière normale, eh bien, il y a deux choses qui peuvent vous aider à relancer votre réflexion et qui peuvent vous aider à relancer et à approfondir le fil de votre réflexion. La première, ce sont les connaissances littéraires et théoriques que vous avez sur l'objet d'étude. S'agit-il d'un texte de théâtre? Vous savez des choses sur le théâtre. Rappelez ces choses à votre mémoire si vous êtes en temps limité et en classe. Sortez les cours si vous êtes à la maison et revoyez ces cours et demandez-vous de quelle manière ces connaissances théoriques, ces connaissances générales peuvent rentrer en contact, peuvent éclairer peut-être le texte que vous êtes en train de lire. Et inversement, comment ce texte lui-même illustre, ou bien contredit, ou bien pose des questions par rapport à ces connaissances que vous avez et qui vous viennent du cours. Donc les connaissances, hein, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui relance une réflexion qui est au point mort, c'est le texte lui-même. Parfois, on part dans ses propres réflexions. Vous avez peut-être le texte sous les yeux, mais à un moment donné, dans votre tête, vous avez déroulé le fil de vos réflexions et vous vous êtes éloigné du texte. Et vos réflexions vous ont amené à autre chose que le texte. Et quand vous êtes au point mort, vous n'êtes plus dans le texte, mais vous êtes dans d'autres réflexions. Revenez au texte, reprenez connaissance du texte, regardez de nouveau le texte et vérifiez bien qu'à tel et tel endroit du texte, on trouve, et là vous pouvez sortir tous les procédés, par exemple, hein, de style que vous pouvez reconnaître dans le texte, le vocabulaire, ou les intentions évidentes de l'auteur, ou les changements de ton, ou les ruptures, les discontinuités, que sais-je encore. Revenez au texte. C'est lui qui va vous fournir des éléments pour votre commentaire. Vous n'allez pas les faire venir du ciel, hein, ces éléments.
Voilà. Donc cette étape, hein, autant la première était toute de passivité, autant celle-là doit être active et la plus dynamique, la plus concentrée possible. Cette seconde étape doit durer, si vous êtes en temps limité, en classe, je dirais entre 30 et 45 minutes pour arriver à amasser une masse de remarques suffisante pour pouvoir être organisé ensuite. Et en fait, quand vous arrivez au terme de cette deuxième étape, eh bien, finalement, l'essentiel du travail est déjà fait puisque, comme on va le voir dans la troisième partie, le plan, en fait, il n'est pas très difficile de trouver un plan. Alors, quand je dis qu'il n'est pas très difficile de trouver un plan, c'est un petit peu me moquer des élèves qui, le plus souvent, viennent me dire, Monsieur, mais je n'ai pas trouvé de plan, je n'arrive pas à trouver un plan valable. Eh bien, c'est certainement que vous voulez sauter les étapes et que vous voulez faire cette troisième étape du plan avant d'avoir conduit de manière complète les deux étapes préalables de lecture et de travail sur le brouillon par rapport au texte. Donc, si vous n'arrivez pas à trouver de plan, je vous suggère de revenir à la deuxième étape plutôt que d'essayer de faire le forcing et d'essayer de trouver un plan coûte que coûte, un plan qui de toute façon sera un petit peu bancal, aura des défauts puisque il ne sera pas nourri par des remarques suffisamment pertinentes. En fait, à l'issue de la deuxième étape, quand vous avez amassé un ensemble de remarques qui a un volume suffisant, eh bien, le plan vient tout seul. Ces remarques, en fait, il est logique que vous allez voir, certaines vont entre elles. Il y a des groupes de remarques que l'on peut faire. Il y a des choses qui sont reliées entre elles. Et donc, vous allez séparer les remarques en plusieurs parties, en plusieurs tas, on va dire. Eh bien, ce seront tout simplement les parties, hein, de votre commentaire, ces grands ensembles de remarques. Alors après, pour organiser un plan, hein, ben un plan, ça fait deux ou trois grandes parties, selon les cas, eh bien, il faut toujours suivre un principe qui est en fait un principe tout à fait logique. Il faut commencer par dire ce qui est le plus évident, ce que tout le monde voit dans le texte, et progressivement aller vers ce qui est le plus subtil. Du plus banal, du plus visible, au plus original dans le texte. De ce qui est le plus littéral, de ce qui est le plus au premier degré, au plus symbolique. Du plus visible au plus caché. Donc c'est cette démarche, cette progression que vous devez avoir dans tout le commentaire, que ce soit entre les grandes parties de votre développement, ou bien aussi que ce soit à l'intérieur des sous-parties, à l'intérieur de chacune des grandes parties. Hein. Cette progression doit se faire selon cette logique et doit se faire en fait selon la logique, puisqu'il s'agit d'expliquer un texte, eh bien partons de ce que tout le monde peut constater sans explication. Autre remarque pour cette étape, pour éviter le défaut majeur des personnes qui se lancent dans le commentaire la première fois et qui tombent très souvent, la plupart du temps, dans ce défaut de paraphrase, c'est-à-dire de redire une deuxième fois ce que déjà le texte dit une première fois. Et vous allez dire dans votre commentaire, le texte dit que. Puis ensuite, à la ligne temps, il dit que, puis ensuite, il dit que, et l'auteur ensuite ajoute que, puis l'auteur nous dit que, etc., etc. Vous allez faire la paraphrase du texte, c'est-à-dire répéter une deuxième fois ce que déjà le texte dit une première fois. Pour ça, pour éviter ce défaut, eh bien, il faut avoir recours, et c'est ce que vous avez tendance à oublier en faisant vos commentaires. Il faut avoir recours à ce qu'on appelle la caractérisation, c'est-à-dire parler des procédés de langage utilisés par l'auteur, des procédés de style, des figures de style, des champs lexicaux, des métaphores, des anaphores, des répétitions, des jeux d'écho, des jeux sonores, si c'est de la poésie, de l'énonciation, si c'est du théâtre ou même si c'est du récit, de toute la technique littéraire, de tout le comment le texte est écrit, de tous les problèmes que s'est posé l'auteur
avant hein, de d'écrire le texte ou pendant qu'il était en train d'écrire le brouillon du texte, en fait, sa technique. Ce serait un commentaire dans un autre domaine que la littérature, ce serait un documentaire sportif, eh bien, il faudrait avoir recours à des explications concernant la technique de ce sport, la tactique de ce sport, pour éviter de répéter une deuxième fois ce que déjà tous les spectateurs peuvent voir une première fois à l'écran. Hein, les commentaires sportifs sont exactement bâtis selon la même logique que les commentaires littéraires. Il s'agit de donner les clés au lecteur de ce qui se passe sous ses yeux, en fait, et qu'il ne connaît pas parce qu'il n'est pas attentif. Alors le lecteur, vous le supposez, suffisamment intelligent pour comprendre facilement ce qu'on lui explique bien. Et il vous revient, il est à votre charge, eh bien, de faire cette explication logique, claire, progressive, et surtout qui se sert ben, justement de cette technique littéraire pour faire voir au lecteur les choses un petit peu subtiles et un petit peu cachées dans le texte. Voilà la troisième étape qui est celle de l'élaboration du plan. Le plan est fait, félicitations, votre commentaire est fait lui aussi, il ne vous reste plus qu'à l'écrire. C'est une plaisanterie, bien sûr, mais pas complètement, puisque si votre plan est fait et si vous avez en tête l'essentiel des enchaînements, ainsi que la nature de ce que vous allez dire à chaque fois, à chaque moment, et que vous avez ça présent à vos yeux, il ne vous reste plus qu'à vous focaliser sur l'écriture, sur la correction de la rédaction, et sur la correction du vocabulaire, la richesse du vocabulaire que vous allez utiliser, et sur la facilité d'expression. En fait, tous vos efforts vont pouvoir être dirigés là-dessus, et non pas sur, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter quand je vais arriver au bout de ces cinq lignes que j'ai en tête, et après, je ne sais plus. Hein. Vous avez votre plan, votre guide pour tout le commentaire. Il ne vous reste plus qu'à faire des phrases correctes, attrayantes, claires pour votre lecteur. Alors, il y a deux moments, ceci dit, qui sont un petit peu spéciaux dans la rédaction, c'est l'introduction et la conclusion. Alors, on va en parler tout de suite. Il est bon, en classe, quand on a 4 heures, je ne vous conseille pas de faire un brouillon pour le développement, parce que là, ça va vous prendre beaucoup, beaucoup trop de temps. Et vous allez sortir des limites du cadre temporel. Mais s'il y a une partie du commentaire pour laquelle, oui, il est quand même conseillé de faire un brouillon, de rédiger au brouillon, c'est l'introduction. L'introduction, vous verrez ça dans la petite fiche que je vous mets là. Eh bien, elle est constituée de trois étapes. Il y a d'abord ce qui s'appelle une accroche. Il faut rentrer en contact avec votre lecteur, appeler son attention d'une manière habile. Et alors parfois vous êtes un petit peu empêtré parce que vous n'avez pas de manière habile. Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de manière habile, faites-le de manière malhabile. Hein. C'est comme dans la vie, quand il faut aborder quelqu'un, on n'a pas toujours le mot juste. Ben, l'essentiel, c'est de l'aborder. Hein, d'accord? Donc ne restez pas bloqué parce que vous avez un problème pour trouver l'accroche. Si votre accroche vous semble un peu artificielle, bancale, etc., allez-y quand même. Si vous trouvez rien de mieux, c'est pas si grave que ça. Hein. Ensuite, après cette accroche, eh bien, il y a la présentation du texte. Il faut présenter un petit peu. Alors, l'auteur, le texte, le passage du texte dans lequel on est, selon les cas, hein, tout ça dépend de l'extrait que vous avez à commenter. Et il ne sert à rien de faire toute la biographie d'un auteur si c'est pour commenter un tout petit extrait au milieu d'un roman, par exemple, si ça n'est pas relié. Il faut trouver les informations pertinentes qui vont amener le lecteur à s'intéresser à l'extrait que vous lui proposez. Et en troisième partie de l'introduction, eh bien, il faut que vous annonciez vos axes de lecture, deux ou trois, selon les cas. Et ensuite, vous faites votre développement. De la même manière, la conclusion, eh bien, elle répond à l'introduction. Elle est en deux étapes, elle, la conclusion. Dans sa première partie, vous récapitulez ce que vous venez de dire, vous résumez. En fait, ça reprend la troisième étape de l'introduction, hein, qui annonçait les axes de lecture. En conclusion, vous les résumez. Et puis, dans une deuxième étape, vous faites une ouverture, autre
figure imposée pour laquelle vous avez souvent des difficultés. Il s'agit d'élargir un petit peu la perspective. On s'est concentré sur un texte pendant assez longtemps quand même, hein, plusieurs pages. Il s'agit maintenant de s'échapper sur le texte, du texte, et de mentionner les choses intéressantes que l'on pourrait voir, par exemple par rapport à l'objet d'étude dont ce texte est un exemple, hein, ou par rapport à d'autres textes du même auteur, ou par rapport à d'autres textes qui ont certaines similarités avec celui que vous venez d'examiner. Bon, là aussi, ça dépend, hein, il faut faire ça avec discernement, ça dépend de chaque texte. Et ma foi, il est bon de trouver quand même une petite ouverture, hein, ça c'est, je vous le conseille. C'est bon, c'est pas facile. Ça va venir aussi. Il y a plein de choses qui vont venir avec la pratique, hein. Vous allez voir que c'est comme la natation. Au début, on boit la tasse, et puis une fois qu'on a fini de la boire 3-4 fois, on commence à vraiment nager. Voilà pour l'introduction et pour la conclusion. Étape suivante, la rédaction. Je vais être très court, j'ai rien à dire. Il ne faut que se concentrer sur la rédaction, si vous avez bien sûr suivi toutes les étapes que j'ai désignées auparavant. Vous écrivez bien, tant mieux pour vous. Vous écrivez mal, eh bien vous avez tout le loisir d'écrire le mieux possible et de faire le moins de fautes possible. D'accord? Bon courage. Dernière étape, eh bien, vous avez travaillé vaillamment pendant 3h45 et vous êtes gardé un petit temps à la fin, 10-15 minutes, pour vous relire. Eh bien, vous avez mille fois raison. Car la relecture, c'est très important. On voit des fautes quand on relit son texte qui n'apparaissait pas clairement quand on était en train de l'écrire. Et les fautes qu'on voit, encore une fois, quel que soit votre niveau, hein, que vous soyez bon, moyen, mauvais en français, très mauvais, peu importe, quel que soit votre niveau, les fautes que vous allez trouver dans votre propre prose, eh bien, sont les fautes les plus graves, sont les fautes les plus visibles, sont celles qui vous coûteraient le plus de points ou qui vous coûteraient le plus de jugements négatifs de la part de votre examinateur, de votre lecteur. Donc ces fautes que vous trouvez, même s'il n'y en a que 10, hein, trouver 10 fautes dans un peu plus d'une copie double, c'est vite fait quand même. Même s'il n'y en a que 10, eh bien, que vous les retiriez, que vous les corrigiez, ces vilaines fautes graves, eh bien, c'est beaucoup qui est gagné. Après, qu'il y en ait d'autres, tout le monde fait des fautes, hein, on ne va pas vous reprocher de faire des fautes si ça reste dans des limites raisonnables. Alors, qu'est-ce que sont les limites raisonnables? Ça, c'est à l'appréciation de chaque correcteur. En tout cas, vous pouvez faire une grosse partie. Les fautes que vous voyez sont les fautes les plus graves, donc n'hésitez pas à les supprimer. Voilà, j'ai essayé d'être clair, d'être concis. Si vous voulez, je vous donne la trace écrite, hein, de ce commentaire. Vade mecum, c'est du latin, ça veut dire mettez pas dans les miens. Le commentaire composé pas à pas, ce que vous devez faire. Lorsque l'ordre des étapes en fait que vous devez suivre pour arriver à produire un commentaire composé comme on l'exige le jour du bac. Voilà, je vous remercie. Je vous retrouve par la suite pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à poster vos commentaires, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et puis à la partager avec les gens que vous connaissez. Ciao, ciao!